Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment cacher ou masquer l'application web. Pour ce faire, on a besoin d'installer un lanceur d'application dit APX Launcher. Donc c'est une application de type APK. Pour l'installer, n'oubliez pas d'aller sur les paramètres de votre appareil et activer source inconnue pour pouvoir installer les applications tierces. Au cours de l'installation, plusieurs autorisations vous seront demandées par cette dernière. Vous devez les accepter, puis une fois installé, vous allez la définir comme launcher ou lanceur par défaut. Et vous allez avoir ici paramètres de ce lanceur. On touche donc pour y accéder. Cette application va vous permettre de personnaliser largement votre appareil selon vos besoins. Donc vous pouvez personnaliser l'accueil, le drawer, l'autoc, les dossiers, les gestes de glissement. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les applications masquées. Donc, pour masquer l'application WhatsApp ou autre application, touchez application masquée. Puis, vous allez toucher application masquée ici. Vous allez être redirigé vers le tiroir des applications installées sur votre appareil. Cherchez l'application à masquer. Pour notre cas, on va cacher WhatsApp, donc on active devant. Et j'ai ici le message « Hide One App ». Et l'application est cachée, donc il faut toucher dessus pour confirmer. Et voilà, dans la partie application masquée, on a WhatsApp. Maintenant, on va revenir à l'écran d'accueil pour vérifier est-ce que l'application WhatsApp existe dans l'écran. Voilà, mes applications sont classées par ordre alphabétique, donc elles devaient être ici, elles n'existent pas. Donc, elle est bel et bien cachée ou masquée. On revient donc à notre lanceur et application masquée. Donc, vous allez toucher ici. Et là, vous avez « Enable password ». Donc, vous devez activer un mot de passe, sinon ça ne sert à rien de masquer des applications et que d'autres personnes qui peuvent accéder à votre appareil peuvent accéder à l'application masquée. Donc, vous allez toucher ici. Vous pouvez définir un chemin comme mot de passe. Ici, vous avez les gestes. Ça veut dire que vous pouvez aussi ajouter des actions aux gestes dans l'application launcher ou n'allocir gestes de glissement. Alors, pour démasquer ou faire apparaître à nouveau les applications masquées, on va faire la même chose. Ça veut dire qu'on va faire la même procédure. Il faut aller sur paramètres des lanceurs, application masquée et vous allez toucher ici, dévoiler et l'application va apparaître à nouveau dans l'écran de l'appareil. Le lien pour installer cette application, vous le trouverez sur mon site et le lien du site est comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à ma chaîne et aussi activer la cloche afin de recevoir notifications relatives aux nouvelles vidéos qui seront postées prochainement par la chaîne. À la prochaine fois.